Bonjour à tous, ici Pascal G, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous partager une canalisation que j'ai reçue de bonne heure ce matin. Mais avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir en temps réel mes actualités, mes canalisations, mes soins audio que je vous offre quand le besoin s'en fait sentir. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en bas à droite de votre écran. Et maintenant, la canalisation. La situation terrienne catastrophique pour certains n'est en fait qu'une phase d'un processus voulu et préparé de longue date. Seulement, les dés ne sont pas encore jetés, et les individus à l'âme putride et peu élevée ne lâcheront pas facilement leurs acquis. Si nos paroles vous semblent parfois peu amènes, sachez que seule la lucidité vous permettra d'appréhender le quotidien avec toutes vos ressources. Vous avez coutume de dire que le verre est à moitié vide. Si désormais vous le voyez plutôt plein, comme une vie emplie d'espoir et de projets. Votre monde a été construit sur le négativisme, la victimisation et le besoin instinctif de trouver refuge auprès de personnes que vous avez placées vous-même à des postes stratégiques. Votre vision de la vie est erronée. Vous n'êtes plus des enfants, mais des adultes responsables. Pour autant, vous vous conduisez comme des oiseaux aux rémiges coupées. Nous ne sommes pas négatifs, juste factuels, et la coloration que vous donnez à nos paroles vient de vos croyances, vos pensées et vos émotions. Libérez-vous de ces dogmes avilissants qui vous font tourner le dos à votre pouvoir créateur. Reprenez en main votre destinée. Chacun de vous a son libre arbitre. Certes, vos plans de vie sont ébauchés par avance, en concertation avec de hautes instances lumineuses. Vous saviez pertinemment et vous avez signé votre contrat, sachant que cette période serait complexe, mais hautement évolutive. Posez-vous la question, pourquoi certaines âmes dans la misère arborent un sourire constant, quand des nantis sombrent dans le marasme? Tout est question de vision, mes amis. Au lieu de percevoir le monde comme un champ de mines, voyez-le comme un livre d'école, où chaque chapitre est une leçon qui vous fait grandir. Il y a de nombreuses demeures dans le multivers. Chacune a sa spécificité, chacune a sa vibration. La Terre est un lieu que toutes les âmes souhaitent visiter. Sa réputation, sa beauté n'ont rien à envier aux autres lieux d'incarnation, car sa puissance d'enseignement n'a pas d'égal. Cessez de ruminer vos malheurs, ouvrez vos yeux, vos cœurs et vos bras. Nous ne cessons de vous le dire. Soyez heureux et positifs, car vos pensées sont le terreau de votre existence. Arrêtez de trouver de la tristesse, du négatif où il n'y a que des faits, des situations, des actes. Soyez plutôt dans l'action et non la réaction. Ainsi, vous trouverez votre voie, parce que vous êtes ici pour évoluer, et non stagner dans un mal-être qui s'auto-nourrit de vos idées noires. Connectez-vous par le cœur. Retrouvez votre véritable place dans la paix de l'amour et la compassion. Soyez centré, ni tout à fait dans les nuages, ni totalement ancré dans la matérialité, au juste endroit. Car sans équilibre, le chemin devient chaotique. Et c'est ce qui se déroule en ce moment sur votre terre. Il y a effectivement un déséquilibre entre deux factions, ombre et lumière. L'une ne peut exister sans l'autre, c'est le principe de la dualité établie sur votre planète. Vous-même n'êtes ni tout à fait bon, ni tout à fait mauvais, vous êtes simplement en voie de développement. Votre tâche, ici-bas, est d'épurer vos vilaines facettes pour, petit à petit, au fil des incarnations, vous approcher de la pureté du diamant. Comprenez donc que votre vision actuelle du monde est illusoire si elle réveille en vous la peur, la haine et la colère. Élevez-vous, observez tel un aigle les fourmis s'agitant au sol. Comprenez certains enjeux, adaptez ainsi votre conduite au lieu de vous laisser berner par des êtres cupides et abjects qui n'auront de cesse de profiter de votre crédulité. Encore une fois, ayez le discernement qui sied aux êtres éveillés. À bientôt, Terriens. Si vous voulez me suivre sur d'autres réseaux sociaux, je vous laisse récupérer toutes les coordonnées
à l'issue de cette vidéo et au-dessous de sa présentation. À très bientôt!